Sur la presse.ca du 3 avril 2019, quelques nouvelles des loups italiens. L'Italie propose d'interdire l'abattage des loups. Le ministre de l'Environnement italien propose un plan de conservation et de gestion du loup, contenant 22 mesures tendant à rendre compatible la préservation de l'espèce avec les troupeaux d'élevage. Le plan prévoit notamment l'interdiction d'abattre les loups. L'Italie compterait environ 1800 loups répartis entre les Alpes et les Apennins. Ce titre sur notreplanète.info du 3 avril 2019 qui bouscule quelques croyances. Notre planète verdit, poussée par la Chine et l'Inde. Une équipe de recherche de l'Université de Boston a constaté début 2019 que la superficie mondiale de feuilles vertes avait augmenté de 5% depuis le début des années 2000. Cette superficie équivaut à celle de toutes les forêts tropicales amazoniennes. Une des premières raisons avancées par les chercheurs pour expliquer l'augmentation des surfaces végétales foliées est l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère qui ont un effet fertilisant puisque les végétaux ont besoin de CO2 pour leur photosynthèse et leur croissance. L'Inde et la Chine totalisent 9% de la superficie des terres émergées et représentent 33% du verdissement sur la planète depuis l'an 2000. En réalité, 42% de ce verdissement provient de l'expansion des forêts et 32% des nouvelles terres mises en culture en Chine, alors qu'en Inde, 82% du verdissement provient de la mise en culture et seulement 4,4% des forêts. Ce n'est donc pas l'effet fertilisant du CO2 qui agit principalement sur le verdissement, mais la mise en culture massive des terres avec son lot de pesticides et autres produits toxiques. Dans reporter.net du 25 mars 2019, il semble que l'homme des Balkans ne soit plus fâché avec les ours. L'ONG 4Paws indique que près de 30 ours bruns provenant de conditions de détention, pour certaines extrêmement cruelles, ont été sauvés et transférés dans des sanctuaires à l'étranger. En Grèce, en Bulgarie ou au Kosovo, plusieurs centres destinés à recueillir les ours libérés de leur cage ont été créés. La Slovénie abrite aujourd'hui près de 800 ours et la population d'ours a doublé sans augmenter les dommages causés. Les ours des Balkans représentent plus du quart de la population européenne avec 3950 individus recensés en 2016. Dans l'Express.fr du 18 mars 2019, on respire mieux. La Tasmanie respire l'air le plus propre du monde. La Tasmanie, c'est là, un petit bout du territoire australien perdu dans l'océan Austral. Une station de mesure de la pollution de l'air installée sur le Cap Grim prétend que l'air ici est le plus pur au monde. On constate que durant les 2000 dernières années, le niveau de CO2 en particulier sont restés à des niveaux plutôt stables, dit Sam Cleland, le responsable de la station. Toutefois, il semble que ce paradis de l'air pur soit désormais affecté par des pollutions pouvant même venir de Chine, ce qui prouve les carences des politiques menées pour préserver l'environnement. Dans un article de 20minutes.fr du 1er avril, il semble que certains juges soient encore indépendants du pouvoir central. États-Unis, voulu par Trump, la reprise des forages offshore déclarée illégale par un juge. Sharon Gleason, juge fédéral pour le district de l'Alaska, a déclaré illégale la levée par Donald Trump de l'interdiction des forages pétroliers et gaziers dans l'Atlantique et dans l'Arctique décidée par Barack Obama. Il semble que la pulsion extractiviste de M. Trump soit pour un temps arrêtée. Rappelons que Barack Obama avait pris une série de décisions en 2015 et 2016 interdisant définitivement tout nouveau forage pétrolier dans les eaux américaines de l'océan Arctique au large de l'Alaska et dans 31 canyons sous-marins de l'Atlantique.